Oh putain, vas-y, enchaîne-les-moi. Vas-y, dégomme. Allez, oh, normalement ça c'est la 4. Ouais, allez, vas-y. Le vaccin est passé dans les réserves d'eau, des millions de gens sont immunisés. Ouais, on a réussi à la passer, la mission de Nexus, c'est une bonne début de vidéo de Marvel. Bonjour à tous, c'est Maximoulin, on se retrouve pour une victoire. Bon, une étoile, mais vos gueules, vos gueules. Vos gueules, moi je suis content. Non, tu me l'as fait planter, je te défonce la gueule le truc, hein. Allez, on continue. Nexus 6-9, est-ce qu'on va le réussir? Alors, il contrôle la plus grande partie, ok. Unité du Strike sont pourchassées irrévocablement. Strange, vous êtes bizarre. Ouais, Fury, vous êtes en furie. Ah, comment il a su, hein? Je me déguise toujours en Tails avant d'aller au boulot. Quoi, non, c'est pas ça? La résistance du shield, combat de dimension contre dirigé par Thor, se disant, ils nous porteront peut-être une assistance, ok. De retrouver, c'est l'heure d'entrer dans la danse. Ok, vous m'accordez un petit balai Nick Fury, le sacré dragueur. Sacré tombeur. Le tombeur de ces dames. Ah, je suis content de vous de tout lever, les gens. Comment ça va? On se trouve pour du Marvel et cette fois-ci vraiment pour du combat. Et pas des vidéos filmées à l'arrache pour rien montrer. Ouais, contrairement à d'habitude, oui, c'est ça. Je vous entends les mauvaises langues. Ah, les mauvaises langues qui se délient. Quand on aura aimé cette escouade, on pourra filer vers la prochaine planque. Vers d'autres aventures. Et après, je vais vous faire la campagne du fléau comme elle est là, hein. Donc autant y aller. Vas-y, on va essayer peut-être en automatique, laisser faire, on va voir s'ils s'en sortent. Moi j'ai trop bouffé, donc je vais mourir. Un petit coup de pompe. Après ça, je vais continuer la fic. J'ai presque fini toute l'histoire, toute l'aventure, c'est cool. Oh, je peux peut-être même en profiter, allez, vas-y. Ils font des attaques à la con là, par contre. Hein. Pour un seul ennemi, ils te font des trucs de merde, hein, j'ai envie de dire. Oh putain. Pardon, désolé. Ça remonte. Oh putain, je sens que je vais devoir le refaire pour pouvoir avoir un 3 étoiles parce qu'ils me font n'importe quoi. L'IA est merdique. Hein. Je la laisse faire, mais c'est seulement pour les besoins de la vidéo. Hein. Hein, pour que sinon on prenne pas 3 heures, que je sois pas trop près non plus de la caméra. Ah, parce que être collé, c'est bon, ça fait mal au tympan. Je sais, j'ai une voix qui porte. Hein. À chaque fois que je m'entends, j'ai envie de me défoncer la gueule. Ouais, de me défoncer tout court. Ouais. T'es un peu con, Thanos, hein, tu le sais, ça. Mais j'ai envie de dire, hein, mais ça va. Et Rocket? Tiens, regarde, c'est mon lance-roquette. Ok, bah tiens, je te défonce la gueule, salope. Ouais, j'ai trouvé les emplacements du Nexus des réalités. Génial! Oh, c'est génial! Nous allons partir. Alors, en ce moment, il y a eu plein de vidéos tests, hein, j'espère que ça vous a plu. Il y aura, ne vous en faites pas, Fallout New Vegas, ça va être le prochain truc qui vient. Faudrait que je continue aussi Far Cry 2. Ouais. Regardez-moi ça, c'est irrésistible. Ouh. On va faire en facile. Non, non, ça va pas trancher, chérie. On va d'abord faire celle-là. Bonjour, un éléphant dans un magasin de cuir. Maintenant que le verrou est cassé et détruit, nous pouvons nous venger d'Ultimus. Ok. Il est revenu pour la confrérie des mutants de frapper. Ok, c'est où notre premier attentat? Ouais, on va les frapper. Putain, il a une gueule vénère quand même, Magneto. Il a une gueule de nazi, ce qui est un comble pour, pour lui. Pour lancer, je pense que les autres portails magiques auraient besoin d'un petit évidemment. Ok. Je veux pouvoir m'amuser. J'ai l'avalement de facettes, c'est mon rayon. Ning. Ouais, ça c'est indéniable. Arrête de taper du poing. Tu fais trembler le sol à chaque fois que tu le fais.
En dimension, ok, mais ça, là, même si tu auras que ça vous protégera, anéantit ce réseau de portails. Je m'en occupe. Donc voilà, on a le fléau. Ah, on le sent bien, il va être mastoc, il va tous les dégommer, il va les prendre un par un, il va nous faire du catch. T6 John Cena! Non, T6, de Juggernaut! Il n'y en a pas un déjà un qui s'appelle comme ça? Mec, toc toc! Qui est là? C'est Fléau! Fléau qui? Fléau Lolo! Je t'accuse. Je t'accuse d'avoir une tête d'œuf. C'est pas bien. La capacité, ouais, de lourds dégâts. Ah, le fléau, de ce que j'ai vu, il est balèze. Hein. De ce que je l'ai testé en mode difficile, il était déjà balèze en hein, difficile. T'as vu ce point, il défonce la gueule. Hein. Tiens, bouffe. Monsieur Marco Polo, c'est vrai que vous avez besoin d'un peu d'aide? Merci, mais non merci. Monsieur Joycap, je peux m'occuper tout seul. Strange, moi je fonce sur le gros costaud. Toi, contente-toi de faire tes petits tours de passe-passe, comme d'habitude. Et un tour de passe-passe, hein. Strange et Jessica, ça va? Vous buvez le thé ensemble maintenant? Enfin, le café. Qu'est-ce qui se passe? C'est un beau roman d'amitié qui commence comme à la mode, qui vient de péter sous mes Santiago. C'est un roman d'amitié. Putain, Jessica Zone se fait défoncer la gueule. Je suis pas contente. Aïe! Je me suis déjà fait violer plein de fois par un homme pourpre. Franchement, hein, EZD ta fiole à côté. Ah ouais, cette attaque est géniale. L'attaque Berserk. Qu'ils présentent même pas, ça me fait rire parce qu'ils ont présenté juste la première en fait. Hein. Ils ont même pas présenté les deux autres. D'habitude, ils font des présentations de chaque attaque. Là, c'est on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, tu découvres. T'as vu, c'est comme ça qu'on tape. Comme je disais, je peux m'en occuper seul, vermine. Maman, tu vas voir Ronan et mes enfants taille maintenant si tu veux aller? Évidemment, tu me prends pour un numéro ou quoi, la gemme du citoyen me guide. D'accord, et où te guide-t-elle? Aucune idée. Je suis un peu con. Marco, tu es complètement débile. Tu peux voir le navire qui est en train de 5 mâts chargé de garder le perpétuel. Normalement, je t'aurais dit d'aller te faire enculer par une chèvre, mais là, franchement, j'ai pas de meilleure solution. Comme c'est fâcheux! Ouais, ferme ta gueule. Qui bouge son lien, etc., etc. Ça va de soi. Oh l'enculé. Oh le fils de pute. Si l'autre il la prend, ça va la faire mauvaise. C'est moi l'équipe. Pourquoi l'équipe a changé? Qu'est-ce que vous me foutez? Qu'est-ce que vous me foutez, bordel de merde? Laissez-moi faire mon équipe alors. Voilà, on a toi. On a toi. Ou plutôt Wolverine. Voilà, on a toi. Et peut-être. Non, plutôt Thanos au milieu. Parce que Thanos, il est gentil. Voilà. C'est nickel. Là, on a l'équipe de la mort. Là, on baise, là, on gagne. Là, on gagne notre respect. Ça va sinon les gens, Noël approche. Vous avez déjà mis les burnes de yak sous le sapin, sur le sapin? Ah oui, c'est une bonne vieille tradition, tu mets des petites burnes de yak en guise de décoration. Et finalement, la célèbre étoile de David que t'accroches aussi pour nous rappeler les pires heures de notre histoire. Comme le dirait n'importe quel politique. Ouais. Les heures les plus sombres de notre histoire. Ou comment esquiver un sujet qui nous paraît un peu malaisant pour nous, parce que voilà, ça nous met pas en valeur. Et ben voilà. Hein. C'est surtout le truc pour discréditer un ennemi. Non, mais toi, tu fais les pires. Hein, tu joues le jeu du FN. Tu nous rappelles les pires heures de notre histoire. Faire moins d'efforts, ça aurait été ridicule.
Ne vends pas la peau d'Ultimus avant qu'il soit pas frais. Si nous abattons Stannos, Ultimus commence à suivre les effets, ok. Ouah, cette intrigue, hein, quand même. À part voir la pauvrette, aucune idée, peut-être parce qu'il aime claquer des doigts et piétiner les faces. Ouais, je crois qu'on va bien s'entendre. J'aime aussi piétiner les faces. Les deux faces et tout. Putain, là, j'ai l'épisode Super Séducteur 5 à voir, là. Avec Fred, j'adore voir. Moi, ce que j'ai hâte aussi, c'est... Bon, ce sera sûrement déjà sorti au moment où cette vidéo sort, mais... Là, qui est assis sur Hitman 2. La question que je me pose, est-ce qu'ils vont faire pire ou pas que Fred et Seb, donc de la chaîne JDG, sur le même jeu, sachant qu'eux, ils sont complètement nuls, hein. Eux, ça part toujours en couille, mais encore, ils arrivent des fois à étonnamment s'en sortir. Ah, malgré le fait qu'ils y vont souvent en gros bourrin, putain de merde. Bon, là, on défonce la gueule à Mystique, hein, parce que voilà, on n'aime pas les bleus. Ah, voilà, dégagé, hein. On n'aime pas les bleus, sauf quand ils nous font gagner la Coupe du Monde. Paf! Chta! Ah, bah voilà, un Thanos en moins. Thanos, il faisait pas le poids. Ouais, bon, en fait, je t'ai aidé un peu, hein. Elle a interdit toute magie à part la sienne, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, c'est des flingues, ça va être du gâteau. J'adore l'éviter. Blalalalalalala. Regarde mes pouvoirs. Ouh. Ouh, je l'évite. Oh, c'est quel problème dans l'animation. Wow, tu me réponds quand je te cause. Bon, ben... Ouh. Ah, la meilleure discussion. Oh, bien, déjà, je me parle tout seul, bordel de merde. Je crois que je suis devenu fou. Strange, il a pété un câble. Hein. Il est devenu taré. C'est rien, ouais, ouais, c'est rien, c'est rien. Oh, attention, tout dans mes grosses mains, et puis il y en a plus. Oh, parce que tu en as des grosses paluches, hein, là. Putain, limite, t'arriveras à m'écraser la tête avec. Encore Star-Lord, vous en avez pas marre de foutre des Star-Lord partout avec... Laissez-le dans la seule topie, hein, on veut plus en entendre parler, hein. Ça existe, un Star-Lord par pénible. Non. La meilleure conversation ever, hein. Strange, t'as des voix dans ta tête, ça va? Ah, c'est un personnage constant. Ça rallonge la durée de la vidéo au moins. Hein. Vous voyez, comme ça, ça me permet le temps de me racler la gorge, d'aller faire un super crachat et d'aller toucher le lama au Tibet. Ouais, le Dalai Lama en plus. Ouais, ouais, moi je suis comme ça, manque de respect, ouais. Comme Macron, il faut pouvoir protéger nos partenaires européens comme la Turquie. Ah, Erdogan appartient aux frères musulmans, emprisonne ses opposants politiques, ni le génocide arménien. Un joyeux personnage. Non, honnêtement. Ça manque un peu Kadhafi et Hussein, hein. Nos amis Saddam et Muammar, hein. Ah, ils avaient leurs défauts, mais ils étaient encore assez sympas. Voilà, Saddam, même s'il se faisait Satan. Les références, hein, il n'y a que les vrais qui l'ont. Voilà. Le mec, il était cool encore. Il avait donné l'accès à l'école à tous pour dans son pays. Ça allait. Kadhafi, il avait une armée de femmes en garde rapprochée. Or certes, la moitié, elles étaient juste là pour qu'il se les tape, mais l'autre, c'était vraiment des soldats entraînés pour le protéger. Il mettait sa vie, bah, femme. Si c'est pas une preuve de féministe, ça... Non. Et putain, le 10%, tu te bouges? Non, j'ai pas envie. Putain, ça me fait penser que j'ai encore la vidéo à GTA à faire, parce que je vais vous faire une vidéo sur GTA. Sur Ballad of Gettoni, où je vais... Mon objectif, c'est de ne tuer personne de toute la vidéo. C'est d'aller me balader à Liberty City, d'aller découvrir cette ville aux mille et un talents. Ouais. Voilà, j'ai ça à vous faire. J'espère que ça vous plaira. Oh putain, je sens que le truc a encore bugué. Bordel de merde. Putain, j'ai hâte de... Alors, attends.
Vous avez défié notre reine Scarlet, c'est vraiment pas cool, les gars. Prévenons, j'arrive. Bon, faut reconnaître une chose, il bouge moins son cul. En mode danse. C'est un peu plus cool. J'en avais marre de voir bouger son boule. Je pense que je suis pas le seul, non? Ouais, vas-y, on fait mode automatique. Bonjour. Voilà. Oh putain, ça va tellement vite. Bon, voilà, c'est fini. Elle est droit devant. Il est cherché avec un appel ça un bourre-pif dans le couille. Tape au rythme du poing. Ce combat ne sera pas si simple. Ce qui arrive, tu es protégé par des attaques directes. Il va falloir ruser pour franchir. Tu crois que si je pète les giffons, ça va marcher avec mon casque? Si je cible en vue, rien ne m'arrête. Je suis le fléau de ces mondes. Ça, c'est indéniable. Ah, tu me fouettes. Putain, j'ai hâte de me mater la... J'ai pas encore maté la saison 21 de South Park. Ouais, je suis peut-être un peu à la bourre, mais... Voilà, j'ai hâte ensuite de pouvoir ensuite me mater la saison 22. Qui est en train d'être diffusée. Et qui a l'air de... Moi, alors, cette dimension est à moi. Vous ne pouvez rien contre moi. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de te péter la gueule, salope. Wow, la pute. Ouais, moi j'ai hâte de voir la suite des intrigues. Je sais déjà que la 22, j'ai vu certains trucs, ça va être génial. Putain. Moi ce que j'espère, c'est qu'un jour ils vont mettre Macron. Parce que Macron, il fait tellement sa pub partout que franchement ça pourrait le faire. Eh, la sorcière est morte. Encore deux, et puis nous irons plus loin. Allez, ni une, ni deux, ni trois. Cette dimension ne sera pas tout repos, attends-toi à rencontrer des situations délicates. Quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va me faire, ma belle armure? C'était des trucs choquants, je suis déjà tombé dans un bassin de merde quand j'étais petit. Une marmite. Voilà. C'est depuis que je suis devenu un moucheman. L'homme qui se mouche avec la merde. Hein? Ça n'a aucun putain de fucking sens. Bonjour, alors. C'est moucheman, l'homme qui se mouche. Ah, putain. Ouais, j'ai trop hâte de... On va encore croire que je viens du sud, si je commence à faire un accent du sud, ça va pas le faire. Bonjour, sur rayon de l'AIM, ça donne strictement interdit, rendez-vous sur le champ. Jamais. Jamais. Ah putain, j'ai vu que PC principal, il est en couple, ça va donner ça, franchement... Il dépanne bien les mots, les fléaux justement de nos jours, hein, dans South Park. Trey Parker et Matt Stone, s'ils sont forts, hein, toujours. Toujours autant. Les meilleurs. Ce Strange corrompu aura la même capacité que moi. Il va falloir lui péter la gueule. Bah, c'est simple, je vais réviser mon vieux rêve, te péter la gueule. Oh putain, j'aurais espéré que ce soit le vrai toi. Merci pour la précision, fils de pute. Mais merde, t'es pas une pute! C'était une goulou danseuse, merde! Enfin, il y a des différences là, hein? C'est pas la même chose! Merde! Là, je prends des teintes accent belge là! Merde là! Qu'est-ce que nanantuit? Je suis né en 1999. Je vais pouvoir valser. Ouais, ma chargée, je vais échouer, personne ne touchera mes beaux cheveux. Soyons à ma cape robuste et à mes belles boots. Voilà. Parle à ma main. Quand tu bouges ton phone, vas-y, parle à ma main. Ta-na-na. Je me rappelle juste la fin, c'est pour ça que j'improvise les paroles. Oh, ouais, salut, tu vas bien? Ouais, je me tape des délires. Laissez-moi dans mon monde. Je vais prendre... C'est quoi le dernier objectif? Une dimension dirigée par un obus. Un obus tout puissant, la sainte bombe. Tu sais, comme dans Fallout, avec le culte qui les vénère. C'est la confrérie de l'atome. C'est plus la confrérie des mutants, c'est le truc de l'atome. Bonjour. Non, mais comme je disais, Macron...
Je trouve que ça rendrait bien, surtout que comme j'ai dit, il fait sa pub aux États-Unis, il fait l'actualité. Donc si à un moment donné ils se remettent à parler politique, franchement ça le ferait. En plus je verrais bien Garrison avec Macron. Par contre, allez savoir comment ils représenteront Macron, ça je me demande. Ah, ils peuvent nous surprendre. Hein. La preuve, Garrison en Trump. Voilà, hein, non, je veux dire, hein, voilà, c'est. Hein, tout est possible dans South Park. Mais une chose est sûre, il va morfler Macron, hein, si y a pas. Ah, moi j'aimerais bien, on a eu Sarko dans South Park à une époque. Ah, même s'il a pas eu grand rôle, c'était voilà, c'était juste pour diriger en français. Mais là, franchement, je dirais que ça donnerait bien. Bon, alors, allez, on s'auto-pète la gueule. Parce qu'on a que ça à foutre, voilà. Merci Punisher. Heureusement que t'es le plus puissant dans le groupe, hein. Je suis surpris de voir que c'est parti en 2 secondes. Ouais, parce qu'il était plus faible que moi, fidèle, ce chien-là. Hé, mec, ce combat va être plus dur que prévu. Quoi? Pourquoi t'imites Eddie Murphy? Parce que je l'aime bien. Ferme ta gueule, s'il te plaît, hein. Moi, on entendra ta moustache se frémousser, comme mieux on se sentira. Allez, maintenant, on va aller faire dessiner des arcs-en-ciel. Hein? Vraiment? Non, je te fais marcher. Allez, on va péter la gueule des gens. Hein. On n'a pas moyen de taper sur des arcs-en-ciel. Je me tape des délires dans ma tête. Genre Fléau, vraiment faire. Salut, tu vas bien? C'est faire des bisous. Genre à Xavier, son frère. Xavier, quand est-ce qu'il sera? Je pense que lui aussi il sera à toi à 310, qu'il sera pété et qu'on galérera le choper le jour où il y sera. Hein. Comme Magneto. Le fléau, ça va, j'ai déjà 67 sur 100. On m'en donne plein. Alors, plus le raid qu'on va lancer là. Ouais, c'est clair qu'on va l'avoir. Hein. Entre le raid et la campagne. Oh là là. Paris, un sexagénaire qui a porté un cadeau de Noël s'est fait agresser et dit avoir été traité de mécréant. En même temps, il a dû passer encore dans un quartier salafiste. Oh là là. Cette bonne époque où, en fait, c'est mieux d'aller vivre au bled parce qu'ils sont plus civilisés là-bas qu'ici. Bonne blague, humour. Parle ou je te bannis ailleurs, vas-y. Vous avez gagné. You may defeat my network, né. Pourquoi il a parlé en anglais, ce con? J'ai rien compris. C'est parce que. If we Ukraine is not. Hein? Mais pourquoi vous parlez tous en anglais? Putain, bon, allez. Je m'en vais, hein. Ce niveau est mal fini, hein. Franchement, ils se sont pas foulés. Bon, comme j'ai des points à dépenser, allez, on va commencer Nexus, le prochain. Ça vous dit, je sens qu'on va vite se retrouver bloqué, mais on va le lancer quand même. Oh putain. Je suis malade. S'il faut trouver l'entrée. J'ai envie de gerber, j'ai trop bouffé. C'est important avec ce Nexus déjà, s'il parvient à y pénétrer, on aura des bites partout. Mais moi j'aime ça. Bah pas moi. S'il te plaît, t'arrêtes. Allez, il va falloir péter la gueule à Electra. Et on peut péter la gueule au noir aussi. Parce que les noirs, ils commencent à faire gêne, là. Bon, je savais bien que t'étais raciste, mais bon, avec t'avais voté Trump, allez, on y va. Ah non, j'ai voté Hillary. Putain, je suis pas d'accord, hein, avec ce jugement de valeur. Ok, c'est bon, j'ai mal jugé. Faudrait imiter son niveau d'agression. J'ai rien suivi à l'histoire. Je me tape des délires tout seul. Bonjour. As-tu vu mes films de gladiateurs? Putain, Magneto, rêvez pas, Magneto, on l'aura pas, hein, parce que déjà qu'il faudra 5 niveaux d'étoiles, on l'aura pas avant très très longtemps, c'est comme Ultimate, c'est tout. Mais revenez dans un an, et encore je suis pas sûr qu'il y soit. Allez, bon, alors, que les choses soient bien claires. Jarvis, Vision, machin, j'ai élevé ma conscience, là. Là, ils ont fait un meilleur travail, j'ai vu. C'est-à-dire que là, quand en face, c'est pas censé être quelqu'un corrompu par Ultimus, ben, ils le représentent pas avec les yeux rouges. Voilà, c'est juste pour dire. Ce Punisher réussit sa capacité ultime à chaque tour. Ok, putain de merde. Ouh, ça va être chou. Ça va être pète-couille.
Surtout si vous me faites des trucs comme ça, hein. Dès que je peux, je veux faire Punisher. Allez. Il va nous faire encore ses capacités ultimes. Allez, vas-y. Allez, putain. Ah, voilà, c'est bon, c'est nickel. C'est bon, on a eu le Punisher, je suis content. C'est vrai que le Punisher est trop classe, il est trop puissant, il est badass. À chaque fois, j'ai envie de lui faire des petits bisous. Bah, chacun son truc. Hein. Des petits bisous. Allez, vas-y. Au moins, on est aidé aussi par Iron Man, c'est confirmé. Elektra est morte. On devait la capturer, mais on s'est un peu planté. Hein. Vision, il faut nous en parler du porteur et abattre Elektra au passage. Suis-moi, à la Batmobile, Vision. Jarvis, tu sembles me confondre, la version servie de moi qui existe dans ta dimension. La vision que je connais n'est pas servite, juste altruiste. Mais on indique qu'il met tes plans en œuvre lorsqu'il en... Ça s'appelle avoir confiance, c'est un truc qui doit être réciproque. Un mot serait foi si typiquement humain, fort bien, passe devant. Bon, tu le dis si je t'emmerde là, toi, là. Hein. Ah, il m'emmerde, ce con. J'ai envie de lui défoncer la gueule. Bon, il me pèterait... C'est lui qui gagnerait, mais... voilà, quoi, hein. Un parcelle, homophobie, un nier pur fasciste. Ah, j'ai une belle actualité Twitter quand même, moi. Ah, moi je m'éclate avec Twitter. On a tellement de choses à s'échanger. J'ai juré à Ultimus de protéger tout ça. J'aime bien admettre que je suis un peu jaloux d'Ultimus. Il a trop de belles gonzesses pour lui. Moi, même avec mon fric, j'arrive pas à m'en payer autant. Je me suis juste payé à Piogan. Et du poivre. Je me suis payé du poivre. Vous vous rendez compte? Ah là là, alors, ça va, vous en sortez bien, moi j'ai le 30, faire mon petit tour. Ouais, le sexagénaire encore, hein, là, les élus de Calgary, là, vous l'organisez, les JO d'hiver 2026, certains habitants contribuables n'étaient pas contents. Ah bah je comprends, avec un nom comme Calgary, ça fait penser à mon petit canari, hein. Cui, 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 cui. Les élus ont organisé un vote, le nom a gagné, simple nom, coucou, parisien. Ouais. Ah punaise, les youtubeurs, les chevaliers présents, les twist, pas les manches, collectif. Alors, c'est bon, ce téléporteur, la caïd corrompu dirige les activités d'Ultimus à Hong Kong. Il faut le détrôner pour pouvoir nous implanter dans la région. Alors, on veut devenir caïd à la place du caïd? Ah, ça va pas y arriver, hein, Tony, tu vas pas. Tu vas te faire mal aux doigts à essayer, hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah oui, hein. Bah, le caïd, il y en a qu'un, c'est Kingpin. C'est Wilson Fisk. Le mec, il en impose, il a un charme, une éloquence, il inspire plein de gens, hein. La preuve, l'acteur qui joue le méchant principal dans Runaways, eh ben, il s'est inspiré du jeu de Vincent Olliot en caïd. Voilà, c'est important. Bon, après, ils ont pris un super choix d'acteur, honnêtement. Ils ont pris Baleine. The Full Metal Jacket. Meilleur choix, hein. Ah, Full Metal Jacket. Un super film, super joyeux. Qui nous apprend plein de leçons de vie. Voilà. Comme quoi, ils font pas emmerder son prochain. Je me marque, hein. Pourquoi la bloquer, et puis, ouais. Alors la Pataka et Rokaya Diallo qui arrête pas de s'envoyer des petits « Oh, c'est mignon, les amours !» Je suis parfaitement ok. Wesh. C'est bon, l'amour. Division, t'es super intelligent, c'est ça?
Tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? Tu sous-entends quelque chose? Alors tu dois savoir ce que veulent dire les initiales Strike. Bien sûr, ça figure dans le manuel formation officielle. Ah d'accord, tout ça pour ça. Pourquoi pas, hein, c'est bien. Ok. Merci Spider-Man. Il y en a que je trouve drôle, mais alors celle-là... Attends, je dirais même... arrête. On dirait un des premiers épisodes de South Park au début, quand c'était juste du prout-prout. Vous êtes sur mon territoire, je ne passerai pas. Et une petite tête! Pas un gros corps, hein, et une petite tête! Bon, on se fout de sa gueule, hein, quitte à le détrôner, autant y aller à fond. T'as une petite tête aujourd'hui! Oh, comme un lundi! Ah, je te sors des références là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui. Est-ce qu'ils vont les reconnaître? Est-ce un homme? Est-ce un oiseau? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'y vais à fond. Pensez-moi, on l'a presque fini. Vas-y, martèle-lui la figure, c'est bien Crossbones. Le cahier des limites. Ça aurait été rigolo que ça soit Bullseye qui le pue. Mes troupes ont chassé le cahier de corrompu de Hong Kong. De King Kong. Je me charge du baron Mordo. Il établit sa base en Transylvanie. Ça s'appelle la Roumanie. Je préfère appeler les lieux par leur nom catalystique. J'ai bien une idée d'un lieu cabalistique où je peux mettre ton attitude super. Là, le concours de beat entre Stretch et Tony, ça, on va jamais terminer. Hein. Ah, punaise. Ah, en ce moment, le monde part en couille. Hein. Les rocaillas de Diallo, il y en a partout maintenant. Ça devient n'importe quoi. Tu peux plus rien dire sans te faire traiter d'anti-machin, tu vois, des trucs. Mais alors que souvent, ça va que dans un sens. Dans l'autre, non, ça marche pas. Dans un truc. Oh putain, je me suis jamais senti autant blanc que de nos jours. Ah oui, avant, je me sentais pas blanc, spécialement. Mais aujourd'hui, on m'apprend à être blanc. Voilà, des gens d'autres couleurs, et même certains blancs aussi, m'apprennent à me dire hey, « toi, t'es blanc, voilà, des trucs. Et t'es un homme aussi, des trucs. » Voilà, c'est bien, ils veulent m'apprendre ce que je suis, voilà. Voilà, je me suis jamais considéré blanc, j'en ai jamais rien à foutre de ma couleur de peau, honnêtement. J'en ai rien à foutre, hein. Hein, je fais autant de vannes sur les blancs que les noirs. Parce que... Hein, je fais beaucoup de vannes sur les noirs, mais je fais aussi des vannes sur les blancs. Les blancs, en général, dans mes jeux, dans les trucs, je les représente comme des gros colons racistes. Est-ce que c'est loin d'être le cas, hein? De toute façon, tout le monde est un peu raciste, mais plus ou moins level. On a tous des petits réflexes, même ceux qui sont très bienveillants vis-à-vis des autres, qui s'en foutent de la couleur de peau, on a quand même des petits préjugés. Après, c'est vrai qu'il y a les gros racistes qui, eux, vraiment, ont dans leur esprit le truc. Mais voilà, on a tous une petite pointe de racisme quand même en nous. Mais comme j'ai dit, en ce moment, ça prend. Moi, c'est comme South Park et compagnie, je tourne en dérision. Et ça, Simpson aussi, je tourne en dérision tout le monde. Tout le monde prend en dérision les geeks, n'importe quoi. Hein. Là, je suis geek et gros et pourtant j'en fais des vannes sur les geeks et les gros aussi. Hein. Hein, c'est pour vous dire. À un moment donné, faut se décoincer le derrière, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, ça commence à me faire peur. C'est quoi cette histoire? Eh ben, c'est l'histoire de ma vie, de ma bite. Je vous laisse faire pause si vous voulez aller. Hein. Là, moi, je suis en pleine discussion. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui me fait le plus peur. Nos politiques en col blanc, hashtag mafieux. Ces extrémistes, on va dire, de chaque cause. Les extrémistes religieux, comme les salafistes, qui veulent changer l'islam pour en faire un truc de merde. Déjà que l'islam, c'est bien le foutoir de base, hein. Le Coran, c'est... Je veux le lire pour le croire, mais a priori, c'est un gros foutoir, hein. Tu peux y comprendre plein de choses et leur contraire. Pas forcément tout, mais il y a quand même plein de trucs...
Voilà, on peut vraiment prendre là où la Bible, on va dire, il y a un tout cohérent, c'est une histoire, la Bible, de toute façon, c'est une histoire et truc. Le camp, c'est pas une histoire vraiment chronologique, c'est un truc dans le désordre et tout, c'est pas un roman, c'est, on va dire, un recueil de plusieurs trucs de. Voilà, c'est. La Bible, c'est un roman. Voilà, et puis il y a la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a pas mal de trucs qui changent, on prend plus sur exemple sur le Nouveau, parce que dans l'Ancien, il y avait quelques deux trucs, olé olé. Et encore, tu peux changer plein de trucs, comme c'est pas forcément la parole de Dieu, mais tu vois, comme c'est la parole de Dieu le Coran, tu peux lui faire dire un truc. Et en ce moment, le salafisme, ça pue, c'est aidé par les Saoudiens et tout, et c'est ce qui est en train de partir un peu en couille, là, parce que... On va dire, c'est surtout ça qui... Le problème, c'est que, ben, comme ils suivent aveuglément la plupart leurs imams, il suffit que ces derniers deviennent salafistes, et hop, ça fout le bordel. Voilà. Après, j'aime pas les généralités, c'est pour ça que... Pour moi, tous les musulmans sont pas forcément des dangereux tarés. Alors, le mouvement de base, j'étais pas super d'accord non plus avec le mouvement de base, mais ça allait. Base, mais là, le salafisme, ça fait flipper, là. Après, il y a quelques mouvements sympas, mais ils sont très minoritaires, hein, que moi, ils me plaisent bien dans certaines philosophies de voir. Le soufisme, en soi, il y a des bons trucs, il y en a d'autres aussi. Il y a des trucs plus ouverts, mais je reconnais qu'ils sont assez minoritaires. Mais voilà. Après, le problème, c'est comme le problème avec tous les social justice warriors et tout, c'est qu'ils protègent tellement leur camp qu'ils veulent pas voir les fautes que ces derniers font. C'est comme pas mal de musulmans, de juifs ou même de chrétiens qui refusent de reconnaître les défauts de leur, que commettent pas mal de leurs adeptes, voilà, de certains de leurs mouvements religieux, hein, n'est-ce pas? Ah ouais. Surtout que là, le salafisme devient assez majoritaire, donc il faudra peut-être leur commencer à reconnaître, hein, le truc. Mais bon. Entre les Saoudiens, les Américains qui font aussi n'importe quoi, les Européens aussi, c'est pas un truc, la France, tout le monde fait n'importe quoi, ça devient la merde, hein, les sociétés pharmaceutiques, tout. Il est temps de nous intéresser à Washington, il faut y lancer des... Il faut reprendre la Maison Blanche! C'est le moment! White House down! Ouais, moi, le monde m'inquiète, hein, en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, tu peux même plus faire de vrais débats, tout le monde le prend de haut. Même moi je fais des efforts, moi qui avais tendance à m'énerver à une époque. J'essaie de construire, mais là c'est impossible. Ah, que ça soit avec les véganistes extrêmes et des trucs comme ça, c'est de plus en plus impossible de faire de débats. Voilà. Ça devient chaud. Ça... Alors, cette région, Paris-Drac et... On aurait pu se casser tous ces sergents dans mon avion. Vas-y, dégagez. Ah, Nick Fury va nous aider, il va tous les défoncer. Je suis Nick Fury de Fort Boyard, non, pas ça. Ah, putain. Mais bon, après, j'ai toujours espoir que ça va, que ça change. Il faudrait déjà changer nos dirigeants. Alors, il y en a certains qui commencent déjà à faire des changements. Matteo Salvini, a priori, c'est déjà quelque chose. Il y en a d'autres aussi. Oui, bon, c'est d'extrême droite, si vous dites, hein. Voilà, des horribles fascistes. Bon, de toute façon, fasciste, on appelle tout le monde fasciste. Tous ceux qui sont pas d'accord, c'est fasciste. Sans savoir ce que veut dire fasciste à la base. Parce que le fascisme, c'est rejeter justement les autres, les trucs comme ça. C'est ça, c'est un truc de rejet. Donc en fait, ceux qui rejettent les autres en leur traitant de fascistes sont fascistes, en soi, si tu prends la définition de base. Voilà. Parce que fascistes, ils veulent changer la définition, alors que moi je suis pas d'accord, hein. Une fois ce crâne rouge éliminé, les États-Unis seront libérés. Ouais, tu commences à parler comme un vrai patriote, ça donnerait Iron Patriot, bof, pas terrible. Ouais, en effet, tu laisseras ça pour Rhodes. Hein. Il le prendra le costume. Les blagues. Ouais, parce qu'en ce moment, fasciste, c'est devenu, on va dire, synonyme de nazi, hein. Ce qui n'était pas du tout le cas. Les nazis étaient fascistes. Ils réprimaient une partie de la population, hein, les gays, trucs comme ça, voilà, et tout. Hein, tu sais, en mode truc. Mais c'est ça, fasciste, c'est réprimer un truc. Sauf que quand tu réprimes ceux que tu dis fascistes, en fait, tu es fasciste en soi, vu que tu réprimes, tu interdis, leur interdis de l'antenne, de parler... D'exister, de s'exprimer et tout. Ouais, en soi, ouais, t'es fasciste.
Ah ouais, c'est un jeu chaud, hein. En vrai, n'importe qui a le droit de dire ce qu'il veut, franchement, à un moment donné. Tant que ça en vient pas au physique, hein, je veux dire. Il y a une différence entre parler et faire, hein, dire et faire. Regardez nos politiques, ils disent beaucoup, mais ils font rien. Voilà, tu vois, ou ils font leur contraire. Donc c'est juste pour vous dire, il y a une différence. Hein, il y en a qui ont des grandes gueules, mais qui feront jamais rien. Il y en a d'autres qui disent rien, mais qui commettront des trucs. Ah ben, regarde aux États-Unis le nombre de gens qui étaient des gentils, qui faisaient rien et tout, mais qui se révélaient être des tueurs en série, des gros trucs, ou qui ont vrillé, qui ont un truc. Alors que c'était des mecs cool, qui ont jamais eu de trucs. Voilà, ça, à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, on devrait être capable de trucs. Si je veux m'habiller en Hitler, parce que j'aime bien la dégainer tout, voilà. Ou même limite, si quelqu'un partage les vidéos et tout, il a le droit, du moment qu'il va pas aller cramer des juifs. hein? Franchement, il a le droit, c'est son délire, hein. Que t'approuves ou pas. C'est le même truc. Voilà. Si on a quelqu'un qui aime les préceptes de Jojo, de tonton Jojo, hein. Dit Joseph pour les intimes. Tenez. Allez, danse avec moi. T'as un Wolverine qui est corrompu, là. Un type capable de dégommer comme du beurre. C'est pour ça qu'il faut une unité complète. D'accord. Donc on ne va pas prendre Wolverine. Ça ferait un choc des civilisations. Alors ça, on terminera jamais. Ah, non, mais comme j'ai dit, on devrait vous truc. Regardez tous ces maoïstes, par exemple, qui avaient répandu leur truc chez nous et ils étaient autorisés et tout. Hein? Je veux dire. Alors que pourtant, ils sont aussi atteints que pas mal de mode néo-nazi et trucs comme ça, hein. C'est du chaud, Mao, hein. En précepte, hein. C'est comme Jojo, hein. Parce que ah, ça va, il n'y a qu'un seul ennemi, en fait. Ah, donc vas-y, on va aller le péter la gueule en mode main. Voilà, comme je vous ai dit, à un moment donné, tout le monde devrait faire des trucs. C'est un peu le cas aux États-Unis où tout le monde peut s'afficher. Sauf que là-bas, tout le monde peut avoir un flingue et aller tirer n'importe qui. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Mais bon, après, je sais pas si je suis le seul à avoir cet avis. Steve, je sais pas s'il est d'accord. Steve, je sais juste qu'il veut pas de problème avec la loi. Voilà. Enfin, quand ça l'arrange, hein. Quand ça l'arrange, hein. Je trouve. Par exemple, Hitler, il veut pas pour pas avoir de problème, mais je crois que je me rappelais à une époque où c'était lui, normalement, avec un autre. Après, c'était l'autre qui avait surtout dit, mais vous avez pris le tram sans ticket et tout. Et moi, j'avais refusé parce que je voulais pas avoir de problème. Voilà. Voilà, il l'a fait. Alors que techniquement, il aurait pu avoir une amende, il aurait pu avoir des problèmes aussi. Voilà, je veux dire, bon, c'est relatif aussi. Ah bon, je suis pas là pour aller taper Steve dans son dos, hein. J'aime pas taper dans le dos de quelqu'un. Voilà. Moi aussi, j'aime pas faire, en général, avoir de problème avec la loi, sauf quand c'est en question de la liberté d'expression. Là, c'est le truc, c'est pour ça que pour moi, je peux faire des trucs. J'insiste beaucoup avec Hitler, notamment avec la map, avec Steve. Mais c'est juste parce que bah, j'ai pas le droit. Demain, ce serait Staline, Mao, ou ce serait Hollande, ou même Macron, que j'aurais pas le droit. Eh ben, je te jure que je ferais le même bordel. Parce que moi, je veux le truc. Hein, parce que moi, la liberté d'expression, si je veux, je veux pouvoir. Donc si demain, Steve m'interdit Macron, je commencerai à faire chier sur Macron, alors que je peux pas saquer Macron en vrai, hein. C'est pour vous dire. C'est pas parce que je kiffe Hitler. En vrai, je trouve qu'on en fait peut-être des caisses parce que, franchement, il y a eu d'autres ordures dans l'histoire. Je sais que c'est loin d'être un mec sympa. Après, pour moi, parmi ses troupes, il y en avait pire en fait. Hein. C'était peut-être pas le plus taré dans ses troupes. En fait, il a surtout recruté des tarés dans des trucs. Le mec qui est dessus. Voilà. En fait, pour moi, c'est juste un despote qui voulait le pouvoir et qui a ciblé un truc spécifique. Je suis pas sûr qu'il était forcément adepte à fond de son propre truc, ça je sais pas. Eh mais je vais pas le réussir en fait, hein. Ah, Wolverine il va pas mourir, hein. C'est Wolverine en même temps, mais. Oh putain, non, laisse tomber.
Laisse tomber. On peut pas le vaincre, lui. Je sais pas, c'est bon niveau. Voilà. Bon, ben, on continuera. Je vais vous tester un peu le raid avec... avec le fléau, quand il sera là. Et on se terminera là-dessus. Ça vous dit ? Ça marche. On a parlé beaucoup de politique, hein. On a parlé beaucoup de politique, liberté d'expression. Voilà, je vous parle de quelque chose qui est important pour moi. Demain, ce sera en Steve que j'aurai pas le droit de faire un truc. Non, bon, après. Je pense pas qu'il y ait des skins Minecraft, Steve. Voilà. Mais voilà. Ouais, si je fais autant chier avec Hitler, c'est parce qu'en général, c'est celui qu'ils interdisent le plus. Alors qu'à côté, il y en a d'autres qu'ils autorisent. Bon, Staline, ça dépend, c'est un coup sur deux. Mao, c'est autorisé sur Xbox, par exemple. Alors que Mao, on a d'autres. Je cite toujours les mêmes. On a Pinochet. On a... Oh, putain, comment il s'appelle, l'autre? Il était en Asie du Sud-Est aussi. Oh, il avait un nom à la con. Alors, dictateur asiatique. Attends, je veux chercher... Excusez-moi, je... Alors, regardez ce magnifique poster de Shenmue, je veux chercher... Dictateur asiatique. Le dictateur asiatique... Pol Pot ! Voilà, Pol Pot, c'est lui que je cherchais. Non, c'est pas que... c'est pas ceux de Corée du Nord. Techniquement, il y aurait, hein, si on maintient... aussi, ça marcherait. Mais Pol Pot ! Pol Pot, il aime les... Voilà. Voilà, c'est juste pour dire. Mais comme j'ai dit, demain, ce serait Madonna ou n'importe qui m'interdit. Pour moi, c'est la liberté d'expression. Voilà. Moi, je veux pouvoir me faire n'importe qui. En vrai, demain, on m'autorise Hitler. C'est pas pour autant que je vais le faire. Surtout pour Minecraft. Parce qu'en fait, Minecraft, je l'ai déjà fait, donc ça m'intéresse pas. En vrai, je fais juste chier parce que si je voulais, je voudrais pouvoir le faire. Mais en vrai... Je l'ai déjà fait sur Minecraft, je me suis déjà déguisé en Hitler, donc moi j'ai envie de jamais, j'ai pas envie de remettre un costume que j'ai déjà fait. Donc si jamais un jour je me déguise en Hitler, c'est que c'est un costume différent, je sais pas, c'est genre Super Hitler, Uber Hitler, ou truc comme ça. Mais en vrai là, je pense que je vais aller faire le tour des dictateurs, je vous en ai cité pas mal, hein. Ah, là, je pense qu'on va se marrer, hein, le truc. Et même dans le Troisième Reich, il y en a plein, il y a Himmler, il y a Mengele. On va se marrer, allez, j'espère que cette... cette vidéo vous plaît, on va se retrouver tout de suite pour le raid. Regardez-moi un peu la gueule du raid. Regardez, ouh, c'est génial. Bon, par contre, je suis déçu parce qu'en fait, bon, allez, on affronte quand même les différents membres et à la fin, on affronte donc le fléau. Là, il y a Magneto. Ouais, carrément, t'affrontes Magneto avant le fléau. Le respect, ça passe plus, hein. Et donc là, il y a Mystique. Voilà. Donc, je vous fais la petite présentation. Je veux pas faire de combat parce que là la vidéo a déjà duré pas mal de temps. En tout cas, j'espère personnellement qu'elle vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, n'oubliez pas de faire des bisous aux pandas.